Alors aujourd'hui, petite vidéo, 15 faits sur moi. Mais avant, je tenais à vous remercier parce que là, je crois que j'ai atteint les 1200 vues sur ma première vidéo. Vous êtes nombreux à m'encourager, à me soutenir, à venir me poser des questions sur vous, votre orientation, etc., etc. Du coup, ben, ça me fait grave plaisir, ça me donne grave envie de continuer et voilà quoi. Enfin, c'est malaisant de dire ça, mais voilà, merci. Donc, on va commencer tout de suite. Fait numéro 1, je bois mon Actimel d'un coup. Bah, quand je dis un coup, c'est pas une gorgée, hein. C'est genre, je mets tout dans ma bouche et puis bah après, j'avale quoi. Voilà, c'est peut-être pourri comme fait numéro 1, mais je sais pas, je trouvais ça intéressant. Fait numéro 2, j'ai failli mourir noyé. Ben ça c'est quand j'étais petit en fait. Hein. En fait on était parti en Tunisie avec mes parents et vous voyez les bouées rondes comme ça, en fait on se met dedans et puis bon bref vous voyez ce que c'est. Ben je l'ai croqué. Ben, parce que j'étais enfant, j'étais con et ben je l'ai croqué. Sauf que ben Gauthier il a commencé à couler dans l'eau. Puis bah ben, heureusement qu'il y a des gens qui m'ont vu, ils m'ont un deux. Heureusement qu'il y a des gens qui m'ont vu, ils m'ont sauvé parce que bah mes parents, bah, je sais pas ils étaient où, mais ils étaient pas là pour me voir. Donc bah ouais, j'ai failli crever en Tunisie dans une piscine. Fait numéro 3, je suis hyper maniaque. Mais ça, puissance 1000. Bah comme mes cours, je vais vous montrer mes cours. Comme ça, là, c'est mon petit classeur de cours. Donc déjà, j'ai tout rangé bien comme il faut. Merde. Avec les séparateurs, mais en plus de ça, j'ai mis des petits trucs pour séparer les noms des profs, etc., etc. À chaque début, on a des fiches révision, nanana. Entre deux, je crois qu'en voilà, il y en a ici aussi. Enfin bref, maniaque fois 1000. Je supporte pas d'avoir les poils sur moi, du coup, ça, je l'ai tout le temps avec moi aussi. Et puis dès qu'il y a un truc de coin ou quoi, je suis obligé de le ranger. Fait numéro 4. Celui-là, il est un peu dégueulasse, mais... En fait, j'ai hésité à le placer dans la vidéo, hein, parce que c'est... Bref, j'ai un orteil handicapé. Enfin, un orteil handicapé. C'est plutôt l'ongle de mon orteil qui est handicapé. En gros, quand j'étais petit, je suis allé chez ma grand-mère en vacances, et sa maison, elle était encore en construction. Du coup, entre sa chambre et le couloir, il y avait bah, ça de jour, quoi. Le carrelage de sa chambre n'était pas fait et celui du couloir, oui. Et du coup, en fait, je me suis pris l'orteil dedans. Et depuis, bah, au lieu d'avoir un ongle d'orteil droit, j'ai un ongle d'orteil incurvé. Enfin, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Fait numéro 5, je suis un véreux. Alors, je ne sais pas si ça se dit et bon, sinon, c'est pas grave. Mais en gros, j'attrape des verrues constamment. Je vais à la piscine, tu peux être sûr que je vais me choper une verrue. Là récemment j'en ai encore attrapé deux, heureusement j'ai réussi à les faire partir, mais j'attrape tout le temps des verrues, tout le temps, tout le temps. Et sur les mains en plus, donc grave dégueulasse. Fait numéro 6, j'ai déjà fait des castings de mannequinat, etc., etc. Mais j'ai jamais gagné. Voilà, donc c'est tout. Fait numéro 7, quand j'étais petit, j'ai fait du twirling bâton et j'adorais ça. D'ailleurs, j'ai encore mon twirling dans la chambre de ma sœur. Et je sais pas, je kiffais ça. Sauf qu'un jour, ben, ils ont commencé à me proposer de faire les pom-pom girls. Et là, par contre, ça m'a pas trop plu. Du coup, ben, Gauthier, il a arrêté de faire ça. Mais je kiffais, c'est trop bien. Et puis, je crois que j'étais fort en plus. Fait numéro 8, quand j'étais au collège, j'étais choriste et en plus de ça, je faisais un solo. Donc, dans la chorale, je chantais avec tout le monde. Et bon, c'était un collège privé, catholique, tout ça. Bref, en fait, on faisait des représentations dans des églises. Et à un moment donné, genre, je devais chanter tout seul. Nanana, la musique, c'était aux nuits des choristes. Voilà, tout simplement. Fait numéro 9, je me suis récemment mis au piano. Donc s'il y a des gens parmi vous qui peuvent me donner des petits conseils, tout ça, bah n'hésitez pas parce que là ça fait 6 mois. J'ai pas de cours de solfège, j'apprends un petit peu comme ça à droite à gauche sur YouTube, mais bon hein, quand on prend pas de cours de piano c'est un peu compliqué. Mais ça va, je me débrouille pas mal, je sais faire merde. Ah. Je sais faire Mad World déjà là au piano. Donc
ça passe. Fait numéro 10, je rêve de refaire mon nez. Donc, ouais, la chirurgie esthétique, tout ça, moi, je j'ai aucun problème avec ça. Et ouais, mon nez, je le trouve pas top. Parce qu'en fait, là, de face, je trouve que bah, ça va, ma tête, elle passe. Mais de côté, ça va pas. Il est plat. Je sais pas si on peut voir. Mais là, il est plat. Puis, je sais pas, je le trouve un peu trop gros, tout ça. J'aimerais bien l'affiner. Donc, j'ai envie de refaire mon nez. Fait numéro 11, j'ai bossé 2 ans dans une animalerie. Donc je sais, tous les débats sur l'animalerie, c'est pas bien, les élevages, tout ça, vaut mieux adopter. Bah ouais, je suis totalement d'accord. Même si j'ai bossé 2 ans en animalerie, c'était pour mes études. Donc oui, d'un côté, je conçois ça en y travaillant, mais d'un côté, je conçois pas du tout. Et en plus de ça, les animaux, ils étaient trop bien traités dans notre animalerie. Donc franchement, là-dessus, je pouvais rien dire. Mais voilà, j'ai bossé 2 ans en animalerie. Voilà. Fait numéro 12, je suis végétarien. Donc ça va faire première, terminale, BTS, BTS. Bah ça va faire 5 ans que je suis végétarien. Je continue à manger quand même du lait, des œufs et du fromage. N'importe quoi, et du poisson. Donc voilà. Fait numéro 13, j'ai un petit chien, ou une petite chienne plutôt, Cavalier King Charles, qui s'appelle Never. Donc normalement, ouais, si elle est dans ma première vidéo, dans ma story time. Et je l'aime du feu de Dieu, genre c'est mon petit cœur. D'ailleurs, je l'ai acheté à mon animalerie. Et là, elle a eu 2 ans, ouais. On va mettre un bip. Ouais, elle a eu 2 ans et je l'aime. Fait numéro 14, j'ai peur des guêpes. Mais en fait, je crois que c'est plus qu'une peur, c'est carrément une phobie. Je sais pas comment ça s'est développé, mais j'ai peur. En fait, genre, si elle est loin, ça va, tu vois. Si je la vois qu'elle commence à se rapprocher, tout ça, là, je commence à flipper. Et dès que je commence à entendre son bourdonnement, là, Ah, c'est pas possible, genre je rentre et... Le pire c'est l'été quand tu dois manger à l'extérieur, genre ça c'est horrible. Oh. Ouais non. Ouais j'ai peur des guêpes. Bref. Fait numéro 15 et dernier fait, TBT n'est pas l'abréviation de mon nom de famille. Donc je donnerai pas mon nom de famille parce que sinon vous allez chercher sur les réseaux sociaux, wesh. Et j'ai pas envie. Mais ouais, TBT c'est pas l'abréviation de mon nom de famille. Si vous êtes intéressé, je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Ou peut-être pas. Non, je vous le dirai un de ces quatre, mais voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de mettre des trucs un peu bateau, mais aussi genre tu vois, t'en apprends plus sur moi. Donc si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à lâcher un petit like parce que franchement, ça me ferait très 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 plaisir. Et si tu veux, abonne-toi aussi hein, parce que là, j'ai pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Mais bon, ça va pas tarder à arriver, j'ai plein d'idées. Normalement, en septembre, j'ai un petit appartement, tout ça. Donc je vous ferai sûrement un appartement tour. J'ai plein d'autres vidéos en tête, donc ça va sortir. En ce moment, je commence à réviser les partiels, donc bon. Il y aura peut-être moins de vidéos qui vont sortir fréquemment. Mais dès que j'ai fini mes partiels, ça va envoyer. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye.